Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour le cinquième épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey, le sort de l'Atlantide. On va donc continuer, plus pour un épisode secondaire, car il y a encore pas mal de choses à faire dans cette zone, si on regarde bien. Bon déjà je vais mettre du coup le truc, voilà, parce que lui... Achevé, parfait. Donc ouais là il reste encore pas mal du coup de points d'interrogation. Genre il y en a un là, il y en a quatre même ici du coup, ok. Il y a le palais ici aussi, ouais, bon bref, il y a tout ça tu vois. Je suis même pas sûr qu'on puisse faire tout ça dans cet épisode. Ça peut être chaud niveau time, faut voir. Mais voilà, on va se concentrer du coup sur, on va dire, le fait de finir cette zone. Sachant qu'après la prochaine quête principale se trouve vers ici. Hein. Normalement je l'avais. Ouais non. Hop, je la remets du coup comme ça en sélectionné pour qu'on puisse voir. Ouais, elle se trouve ici, donc ce sera notre prochaine destination. Mais avant, du coup, il faut quand même clean tout ceci. Bon, du coup, on va pas perdre de temps et on va y aller. Après, bon, je pense déjà ces 4 points d'interrogation, ça doit pas être des gros trucs ou que je crois pas voir en tout cas de ville. Là, par contre, ce sera un peu plus massif de ce côté, je pense. Hein. Bien au contraire. Ok. Oh, mais ça, c'est déjà, c'est quoi ça? On dirait une grotte. What the fuck? Qu'est-ce que ça peut bien être ce truc? Cet endroit par contre, hein, je le répète, c'est tellement stylé. Ça, je sais pas du tout ce que ça peut être. Là oui, là je suis d'accord par rapport à ce que je disais dans le dernier épisode. Là c'est beaucoup plus englouti. Ok. Chemin d'hypnose. Ok, donc on a deux coffres ici. Bah il y en a un là quoi, non? Ça compte? Oui, ça compte, ok. Wouah, c'est trop stylé. Et le deuxième coffre, ok, c'est ça. C'est beaucoup trop stylé, j'adore. J'adore. Et en vrai, là, du coup, ouais, on est au cinquième épisode. Bah, pour le premier DLC, 5 épisodes, c'était la durée pour finir une partie. Bon, là, je peux vous dire qu'on n'est pas encore à la fin de cette première partie, hein. Oh que non. Ah oui, c'est sous l'eau, par contre, le coffre, hein. Je pense qu'on est même pas à la moitié à vrai dire de toute façon. Parce que bon, des quêtes j'en ai pas encore fait énormément hein, depuis le début. Hein. En termes de secondaire, bah oui, on est bientôt à la moitié, mais pour le reste, non. Par où il faut passer là? What the fuck? Par où il faut passer? Pour aller jusqu'au trésor. Je veux le trésor! Mais le trésor en fait il paraît loin comme ça, non? Est-ce que c'est vraiment dans cette zone qu'il se trouve le trésor? Mais il a quand même à 107 mètres. Chemin d'hypnose. Il y a peut-être un deuxième coffre. Hein. Parce que si c'est lui... Après, ouais, on a quand même le symbole d'une grotte. C'est-à-dire qu'il y a un passage. C'est peut-être juste moi qui le vois pas. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de trucs. Donc c'est qu'il y a un passage. Un passage bien caché. De toute façon, si c'est sous l'eau, sûr que ça peut être bien caché. Forcément sous l'eau. Mais non, mais de toute façon, là, si on peut... Si on peut s'enfoncer dans l'eau, c'est qu'il y a un truc, c'est pas juste pour le plaisir qu'on fait ça, il y a sûrement un chemin là. J'en déduis ça. Après, où est-il ce chemin? Ça je sais pas du tout. Ah mais ça on peut peut-être le casser, ok. Parce que je le voyais pas comme ça le truc, mais d'ici en fait. Ouais, ok, c'est ça. Ok. Parce que du point de vue que je me trouvais avant là, je pensais pas qu'on pouvait le détruire, mais si. Je pensais que c'était un truc plus solide. C'est par ici, du coup, le coffre. Hein. Son, oui, c'est un DLC, il va durer longtemps. Hein. En termes de durée, je pense que ce sera comme le DLC 2 d'Origins. Hein. On va tourner autour des 25 épisodes, peut-être. Dans ces eaux-là. Donc, oui. Pas mal d'épisodes sont prévus, ça, c'est sûr. Ça pourrait même être plus. Hein. De toute façon, dès qu'on aura fini la partie 1, après, on aura une indication sur... à peu près la durée des autres parties, hein, vu que sensiblement c'est la même chose. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, attends. J'allais dire qu'il y avait un truc encore de gardien ou je sais plus quoi là. Mais non. Pourquoi il y a des colosses ici? Attends, s'il y a des colosses ici, c'est pas pour rien par contre. Hein. Et mon coffre, il est pas par là par contre aussi, attends. Je m'éloigne du coffre là, je m'éloigne de mon objectif. Hein. Il n'est pas du tout à la hauteur là, attends. Bon, on va un peu visiter ici. C'est bizarre qu'on ait des colosses, parce que bah, les colosses d'habitude ça protège quelque chose, mais là je vois pas ce qu'ils protègent.
Ah, c'est par là le chemin. C'est peut-être justement par là, ouais, que on a le coffre. Du coup, faut faire une espèce de boucle, quoi. Là, on est d'accord, y a rien, hein. Y a juste des colosses, mais je sais pas du tout ce qui protège. Ah, parce que là, tu vois, du coup, on va plus en direction du coffre. Ouais, bon, ça doit être ça. Il est quand même sacrément... Ah non, on monte par là, ok. Attends, c'était un ennemi, ça, que je voyais? Ouais, bon, ouais, du coup, c'est bien plus grand que... Bah, au début, je pensais que c'était un gros endroit. Après, non, mais si, c'est bien un gros endroit, ça. Ah, et là, putain, taille colosse. Ah, ça fait chier. Ah, je peux pas en plus faire... Oh, bon, bah, je suis grillé, là, on est d'accord, non? Et voilà, il s'est réveillé. Il y en a un ou il y en a plusieurs? J'espère qu'il y en a qu'un, hein. Vraiment, mes jauges d'attitude là, elles sont toujours vides. Faut vraiment que ça se recharge, ça. Hein. Bon, il y a un seul colosse, donc ça va, mais ça va quand même être lourd, lourd, lourd. Au niveau du combat, hop, oh, l'esquive parfait. J'aimerais bien focus celui-ci là, et comme ça, 1v1 colosse. 1v1 octogone. Ah, sans règle, hein, sans règle, on fait pas de règle. Bon, au pire, non, l'attaque spéciale. Putain, vraiment, c'est le truc à ne pas rater. Je vois que c'est assez compliqué si en plus je rate mes attaques spéciales. C'est assez compliqué et surtout, je suis toujours vidé en termes de jauge d'attaque spéciale. Ok, c'est bon. Et là, l'endroit est tellement resserré sur lui-même que je peux pas lui tirer dessus à l'arc. Parce que l'étude est quand même bien efficace contre les colosses, là. Aïe. J'ai... Ah oui, mais c'est vrai qu'en plus il me pompe, c'est vrai, l'altitude. J'avais oublié ça, mais c'est vrai. Il pompe ton altitude, c'est pour ça que j'en ai jamais aussi. C'est à cause d'eux là, c'est à cause des colosses quand ils font la. Ouais, quand ils font cette attaque, c'est ça. Enfin, je m'en souviens maintenant. Voilà, plus d'un mois sans jouer, j'avais oublié cette spécificité. Maintenant, je m'en souviens et. Oh putain, ça fait chier, hein. Ça fait vraiment ultra chier. Je peux même pas le toucher là, de toute façon, à travers le truc. Tu vois, tant qu'il m'attaque comme ça, ça va. Bon, dès qu'il fait ses attaques. Voilà, à distance. Là, c'est chiant. Esquive, ok. Go, au corps à corps. Ouais, au corps à corps, on lui fait mal. Mais le problème, c'est que lui aussi me fait ultra mal au corps à corps. Je peux pas trop me permettre de le jouer comme ça. Aïe! Putain, mais genre... Ouais, je tente quelque chose de risqué là. Oh putain, c'était risqué. Mais c'est passé. C'est passé. Plus de peur que de mal, hein. What? Mais ils donnent 2100 drachmes, eux? J'avais jamais remarqué qu'ils donnaient autant d'argent les colosses. C'était peut-être juste lui qui était riche, je sais pas. Mais waouh. Et du coup, oui, bon, lui, je l'avais vu pendant le combat qu'il y avait le coffre. Eh bah, dis donc, il a fallu te chercher, toi, hein, le coffre. Hein. T'étais pas facile, hein. Bon, ici y a rien, on peut monter mais ça ne sert à rien. Ok. Bon, j'avais dit que ce serait normalement des endroits rapides à faire, mais à ce train-là, ouais, ça va être plutôt long quand même. Ok, 2-1. Presque 10 minutes pour faire cette grotte, ce chemin d'hypnos. Maintenant encore, il faut en sortir. Donc c'est pas fini. Et B. Donc continuer tranquillement. C'est vrai qu'au début du let's play j'avais hésité de faire tous les trucs secondaires en off. Mais non, finalement je vous le fais comme ça, comme je le faisais ouais sur Origins quoi. Hein. Mais c'est sûr que si je le faisais en off, bon du coup je vous proposerais que l'histoire et ça irait beaucoup plus rapidement. C'est ça aussi que du coup ouais. Ouais, c'est vrai que par rapport au premier DLC bah je faisais que des quêtes, donc ça allait aussi plus vite. Il n'y avait que les quêtes à faire, il n'y avait rien d'autre à côté. Donc 5 épisodes pour une partie, oui c'est sûr que c'était ouais légitime on va dire. Bah, c'est plus la même. Bon. Ah non, j'allais dire me voilà de retour, pas totalement encore, c'est vrai. Il y a ce petit passage et après c'est bon. Voilà. Oh la lumière. La lumière, oui. Oh beautiful. Ça pète les yeux quand t'es de retour comme ça à la surface, mais beautiful. Bon, prochain endroit du coup, bah c'est par-delà ce mont, on va dire. Très bien. On va rejoindre la terre ferme et on va y aller. Après, je pourrais escalader ça directement aussi, mais je pense que je perdrais plus de temps que j'en gagnerais, donc non, on va.
On va juste retourner à la terre ferme, hein. Ce sera plus simple. Tout en nageant comme ça tranquillement. 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 Hop, ok. New Phobos. Hop, il y a. Parfait. Allez. Ok. Alors, bon, on va passer par le pont là, je crois. Je sais pas si ça, c'est le bon chemin, mais bon. Ça nous amène là où je veux, si je pense que c'est par là. Hein. Chemin direct, j'ai bien l'impression. Oh là là, et regardez ça. Les couleurs et tout. Bon, c'est sûr que lors de la seconde partie d'essai, quand on sera en enfer, normalement c'est ça, hein, c'est en enfer que où se déroule le. La deuxième partie, ça sera pas pareil. Ce sera bien une autre ambiance. Oh, bon, il y a qu'un seul coffre ici. Bah, déjà, tu vois, c'est pas. C'est pas pareil ici. J'arrête pas de dire que c'est pas pareil, faut que j'arrête. Hein. Bon, il est dans la maison, non, je sais pas. Le coffre. Oh, si, il est là, bingo. Eh ben, donnez-moi des lieux comme ça plus souvent, hein, s'il vous plaît. Hein. Au moins, c'est rapide. Après, du coup. Après, ici. Oh, ça, ça doit être une statue, je pense. Ça a l'air d'être un petit truc, un petit temple, tu vois. Ça doit être une statue. Bon, du coup, il y a potentiellement les colosses, hein. Ouais, regardez, c'est ça. C'est clairement ça. Et attends, ce qu'on voit en face, c'est le palais ou pas? Est-ce que c'est le palais de Perséphone? Je crois que c'est ça, hein. Attends, je regarde sur la carte. Oui, oui, ok, c'est clairement ça. Ok, ouais, c'est bien massif, hein. Je sais pas ce qu'on devra faire là-bas, en termes de trucs secondaires, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses. Est-ce que j'ai... Ok, j'ai 2 barres d'attitude, donc ça pourrait peut-être suffire pour ne pas attiser la colère. Mais arrêtez de me dire ça, c'est bon, ils le mettent je sais pas combien de fois, ce message-là. Hein. Ouais, si je peux éviter d'attiser la colère des colosses... Moi, je veux bien, hein. Bon, vas-y, go, hein. J'ai même pas vu où étaient les ennemis. Oh non, putain, j'attaque un colosse! Oh le con! Ah bah on n'est pas dans la merde! C'est pas lui que je voulais viser. Oh, il m'a l'air un peu endormi là, tu vois, faut profiter. Après, une fois qu'il sera réveillé, le gars... Oh, en plus, du coup, ça a réveillé l'autre, forcément. Ça veut dire qu'il y avait que lui? Attends, il y avait que le gros, du coup? Mais non, on va plus me dire qu'il y avait que le gros. Non, il y en avait un autre. Mais ouais, mais j'aurais attaqué ces deux-là, tu vois, je me serais pas fait repérer. Et après, bah... voilà, ça aurait été plutôt tranquille. C'est ça la résultante. Alors que là, la tranquillité, on peut dire que je suis loin de l'avoir. Hein. Quoique, what? Ah oui, du coup, j'ai mis quand même ultra cher à l'autre colosse. Bon, ça va, les deux sont low life. Ouais, moi aussi, je vais être low life. Hein. On va fuir. C'est la strat qui fonctionne bien. La fuite. Vas-y, TP toi sur moi, là. Ils veulent même pas se TP sur moi. Oh, bah, faites ça, alors. Hein. Je veux dire, ça me dérange pas. Putain de merde, plus que ça. C'est vraiment des... C'est vraiment des putes, hein. Ah, c'est vraiment des putes. Hop. Ah, mais je le vois pas, je tire à l'aveuglette, là. Ok. Viens, il est tellement low life, faut que je le termine. Ah, je crois que je l'ai eu. Là, on va aussi utile. Oh, mais regarde, c'est d'un sniper, je vous le dis, tireur d'élite. Il me reste pas grand chose hein, pour avoir mon truc et récupérer de la vie du coup hein. Ah mais je crois qu'il y a mon aigle qui s'occupe un peu là de... Oh putain, il a failli me tuer. All better. Ok, c'est bon. Hop, je peux récupérer de la vie. Ok, bon, ça devrait le faire du coup. Si je peux le toucher parce que je le vois toujours pas là. Putain, genre j'ai pas touché là. Mais en fait il se tape une décale ou quoi là. Ah mais c'est pas lui le colosse, c'est lui. Oh, je comprends plus rien. Ou alors c'est les deux colosses qui restent. Ah mais je crois que j'ai pas tué en fait le colosse. J'ai juste mis v'là bas niveau vie. Ah oui c'est ça. Putain mais tu vois je tire là et ça touche pas. Ok. Les deux ont plus de vie. Yes c'est bon. On est marre de tirer à l'aveuglette hein. Pas touché là. Putain mais vraiment regarde comment il faut les combattre pour les avoir. Saleté de colosse. Bon. La statue. Combien de statues sérieux de Perséphone là? Voilà. Enfin non, c'est jeune fille de marbre, c'est pas Perséphone. Oui mais bon, ça descend de toute façon le truc de Perséphone, donc c'est du pareil au même. Ok.
Après, donc, bah, il nous en reste un du coup de trucs là à faire. Ouais, ici. Oh, c'est d'autant un petit truc ça. Je pense que c'est pas une statue encore, ça m'étonnerait. Ah, par contre, c'est en hauteur. Ouais, ok, je vois. Je vois. Est-ce que d'ailleurs le truc là à côté il nous permettrait pas de monter directement? Je pense que si, hein. On va y aller, attends. Je pense que ça peut être l'ascenseur direct. Ça me dérangerait pas plus que ça. Alors, comment que ça se passe? Oh, il est à côté, je pense que si, il me fait monter lui. Il me fait monter dans l'issue! Ah mince, attends. Ah ouais, ok, le trou, hein. Ah ouais, ok. Ça devait être simple, mais ça l'est pas du tout. Comment je fais, moi? Putain, je suis obligé d'escalader comme ça, là? J'aurais pu escalader directement jusqu'au point d'interrogation, ça aurait été aussi rapide, hein. Hop! C'est par où je suis passé, en plus, du coup, ça. Ah si, c'est bon, le truc, il est ok, je vois. Allez, mes petites ailes d'Hermès, là. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, en plus. Se téléporter. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut, là? Ça doit être un spot, je pense, avec un deux coffres, peut-être. Ça doit pas être un gros truc. Bonjour! Joli le vautour, joli. Ah, bah c'est un animal! Bah c'est un vautour du coup! Vu la statue, c'est forcément ça. Ou pas? Attends. Ah non, pas du tout, c'est. Mais what? Y a deux animaux alpha là? Hein? On est d'accord, il y en a deux qui ont le truc, donc il y en a deux d'animaux alpha. Oh, j'ai remis ultra mal par contre avec. Avec mon arc. Ah! Il m'a rush! Salaud! Ouais, ok, mais c'est un peu des loups de pacotille, hein. Je vais pas crier victoire trop vite, mais. Il est vert ou je rêve? Ah non, je rêve pas. Tout à l'heure, je pensais qu'il était vert aussi, mais je me disais, mais non, mais c'est sûrement effet de lumière. Non, il est vraiment vert. C'était. Ah ouais, ok, non, c'était bien écrit 2 sur 2 pour Animal Alpha. Parce que du coup, j'allais dire, c'est peut-être juste le vert, l'alpha, mais non. C'était tout de même les deux. Il était vert! Alors, soit il est sacrément malade, soit il s'est fait une teinture. Je sais pas ce qui s'est passé dans tous les cas, mais. Sacrément bizarre ce loup. Bon, bah ben ça c'est fait. C'était les premiers animaux alpha en plus là qu'on ait eu. Donc bah du coup je vais me diriger. Ah oh ouais putain, il y a des points d'interrogation qui sont apparus en plus là. Bah ça doit être encore une statue, on va aller vers là-bas. Hein. Super. Pas de colosse cette fois-ci. Pas de colosse. De toute façon d'ici, attends, je vais voir si c'est une statue. Oui, c'est une statue. Allez hop. Mais sérieux, il y en a combien? C'est le malheur, parce que qui dit statue dit colosse, hein. Donc c'est vraiment le malheur. Même si des colosses, il y en a à peu près partout, c'est le plus gros des malheurs. Même là-bas, là, tout là-bas, il y en a encore. Même si ça, je l'ai peut-être déjà fait, je sais pas. Ah non, je l'ai pas déjà fait, non, je pense pas. Alors, bon, cette fois-ci, ne pas les réveiller, surtout pas les réveiller. Ok, bah, il y en a deux, je crois, encore, hein. En fait, il y en aura peut-être à chaque fois. Ah non, il n'y en a pas deux. Il y en a trois. Ça va le faire. C'est bon, ils sont tous morts. Je crois qu'ils sont tous morts. Hein. Nice. Ouf! Je vais devoir me battre contre ces putains de colosses. Yes, ça fait plaisir. Me voilà rassuré. Plus là, il m'aurait fait bien descendre mes trucs d'aptitude. Hein. Quand même avec 6 barres là, donc ça m'aurait bien fait chier. J'ai 8 points d'aptitude, ça faut vraiment que je regarde pour me les mettre. Hein. Je regarde ça en off, je pense. Bon, et bah du coup, on va monter ici là, parce que là il y a pas mal de choses à faire. Hein. Ouais, je sais pas tout ce qu'on a là-bas, mais bon. Du coup, c'est ici, ok. Alors, est-ce que on n'a pas des ailes d'Hermès dans les parages? Bah, il y a celui de là-bas, c'est pas celui que j'ai utilisé là avant d'ailleurs. Putain, c'est tellement loin que je crois qu'on va l'escalader. Ah bah non, c'est là que j'étais moi avant, donc non. Mais là, je me dis que je vais presque escalader par mes propres moyens, non? Non, on va y aller à cheval, c'est pas grave. Je pense que c'est pas non plus un gros gros truc, qu'on a plusieurs points d'interrogation. Si ça avait été un gros gros truc, il n'y en aurait qu'un seul de point d'interrogation. C'est bizarre. Je sais pas. Alors. Parce que là, on a quand même pas mal de choses à faire là-haut. Hein. Ouais, faut voir. Hein. C'est le mystère. Alors.
Les Eldermes. Hop. Bon, en tout cas, là, on avance plutôt bien, je trouve, dans cet épisode. Ce n'est pas encore fini, il reste au moins 10 minutes, là, encore, à l'épisode. Mais je trouve qu'on aura bien avancé, il restera pas grand-chose à faire, du coup, dans cette zone. Donc, prochaine fois, je pense qu'on ira au niveau du palais. Enfin, mon ami d'abord à côté, vu que, bah, du coup, il y a la quête. Mais peut-être même que, du coup, on ira au palais par la suite. Si bien, je peux même pas y aller, parce que c'est le palais de Perséphone, donc ça peut peut-être attendre un peu, je sais pas. Ça, faudra voir, hein. Bon... Peut-être que celui que j'avais marqué, c'est pas forcément le plus proche en termes de points d'intégration. Ah, mais je suis pas du tout au bon endroit là par contre, attends. Ah! Bon, bah, changement d'objectif, en fait, on va faire ça. Ah oui, ok. Ouais, mais du coup, faudra juste prendre les Eldermes qui sont là, je pense, pour y aller. Donc c'est pas bien grave. Ah! Par contre, ça c'est embêtant, il y a un fort. Il y a un fort. Et mince. Bah vrai, attends, s'il y a un fort ici, il n'y en a pas un autre à côté. Non? Oh, capable qu'il y en ait un autre, je sais pas. Une demeure de dirigeant aussi. C'est ça le point d'observation? Je sais même pas du coup. Attends, il est où le... Si, je suis dessus là, on est d'accord. 8 mètres, hein, 8 mètres, 8 mètres. Ok, c'est juste ici. Parce que le truc s'était enlevé, du coup je voyais plus. Oh, regardez, on a une magnifique vue sur le truc englouti, là. Ça, c'est la demeure du dirigeant. Mais il est où, fort, du coup? C'est la demeure du dirigeant, le fort? Ou alors, c'est derrière le fort. Il me l'a affiché, même si je me suis pas tant que ça de rapproché. Ok, alors, on va voir ça. Ah, le fort, c'est... Ah, mais c'est pas un fort, c'est un domaine. Ouais, mais c'est le même symbole que les forts, en fait. Alors du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Ou c'est plutôt léger? Bah déjà, une torche d'hypnose. Ah, bah il y en a 4. Oh, ouais, non, il y a beaucoup de choses à faire. Ah! Pourtant, c'est pas si grand, hein. Donc, 2 capitaines. 4 torches d'hypnose. Je sais pas, on va les trouver les 4 quand même. Bon, si, là, il y en a déjà 2, en fait. 3 provisions, du coup, à détruire. Et 4 coffres, ok. Ouais. Eh ben on va bien se faire plaisir, hein. On va vraiment bien se faire plaisir dans cette zone. Limite, je pense qu'on va terminer l'épisode avec ça, hein. Ok. Au niveau des coffres, je pense que j'ai tout repéré, c'est bon. Ah, il y a une autre torche ici. Il en manque une de torche, du coup. Truc par là. Ok, provision. Là, il y a encore un truc. Le capitaine. Et du coup, il manque la torche. Oh non, il y a une statue en haut là. Ah, je pense. Elle aurait pu être derrière la torche, mais ça a pas l'air d'être le cas. Donc, je sais pas où elle est. Par là? Qu'est-ce qu'il y a par là? Provision encore, ouais. Attends. 1, 2, 3, 4. Ah non, non, j'ai rien dit, il y en a bien 4, ok. Mais à culpa. Bon, et ben maintenant il est temps de s'y atteler. Oh mamma mia. J'aime jamais trop quand il y a autant de choses à faire dans une zone. C'est jamais bon signe en réalité. Mais bon. On va faire comme on peut, hein. Je pense direct que je vais brûler ça déjà. J'espère que ça va pas me griller, hein. Ok, bon par contre si je tire sur la torche, ça, bien entendu que ça va me griller. Il y a... Oh putain, il y a un colosse en plus. Ah oui, donc vaut mieux pas trop se fight à proximité d'ici, hein. Et du coup en activant la torche, ça va activer le colosse, je pense. Ouais, ça, il y a fort à parier que ça se passe de cette manière. Vas-y, on va opter pour... Hop. Un petit double, voilà. La torche, je pense que je vais attendre, j'ai peur que ça active le colosse. Donc on va laisser ça de côté, on fera ça en dernier. Si bien à chaque torche, en plus, il y a un colosse. Hein. Non, je vais vraiment attendre pour faire toutes les torches, parce que là, vraiment, c'est pas safe. Je le sens terriblement pas. Hop, le petit coffre ici, c'est bon. Après, là, il y a une provision, mais celle-ci aussi pour la faire.
Capitaine en plus. Ah, une petite double peut-être. Hein. Attaque! Ce sera pas une double, mais au moins, hop, un capitaine en moins. Et bon, c'est parti pour le fight. Hein. Tant qu'il n'y a pas de colosse, ça va. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait pas. J'ai pas d'assurance. Oh putain, bah regarde s'il y a là. Un colosse! Quelle bonne surprise. Tu m'avais manqué. Esquive. Faut vraiment s'en débarrasser le plus tôt possible. Ok, parfait. Sinon, il va encore terriblement me faire chier, cette salope. Ah putain, il m'a touché. Et voilà. La jauge d'aptitude. Putain de merde. Ah ah. Laissez-moi fuir. J'ai pas envie de mourir, hein. Que je... Bon, attends-toi. Oh non, mais... Il va pas me lâcher. Non. Mais c'est vraiment le cancer, ces colosses. Hein. Je me rends pas compte de quelle idée... Ça leur est venu de faire ça, vraiment. Pourquoi ils se sont dit, tiens, ce serait bonne idée d'ajouter des colosses qui te bouffent ta barre d'aptitude, qui te mettent v'là des dégâts, et qui sont ultra résistants. Magnifique idée, n'est-ce pas? Oh merde, quoi, oh merde. Oh mais regardez, lui, il va se réveiller aussi, je pense, du coup, dans le ton, hein. Ouais, et là, j'ai pas le temps de fouiller le coffre. Allez, bingo, il se réveille. Oh, je sais pas dans quel cata on s'est mis, là, mais je suis pas sûr que je vais m'en sortir, hein. Sans aptitude, ouais. Je sais pas où on va aller avec ça, hein. Faut que je me prenne pas de dégâts, mais en même temps il y a tellement d'ennemis. Putain, d'habitude, ok, quand il y a autant d'ennemis, je peux les tuer parce que j'ai de l'aptitude, mais là j'en ai pas. Regarde! Waouh, mais depuis quand ils font ça eux aussi? Y'a rien qui va, hein. Ah putain, je m'enfuis, je m'enfuis, je m'enfuis, je sais pas comment, mais je m'enfuis. C'est tellement cancer. Ouais, eux, ils ont pas tellement de résistance, hein. Mais après j'ai des bonnes armes aussi, mais c'est chaud, très 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 chaud. Je sais pas s'ils me suivent, les colosses là. Ah si si si, ils me suivent, c'est bon. Tout va bien. Et lui, le dirigeant là, c'est du costaud. Le feu est allumé, la zone est en alerte. Ouais bah comme si elle était pas déjà assez en alerte comme ça quoi, hein. Ça va pas changer grand chose. C'est comme si ça pouvait pas être pire, de toute façon. Regarde où on est rendu, là, mais... Je ne fais que reculer. Hop, esquive. Ah non, 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 non. Attends. On va lui mettre une attaque spéciale. Ça va, ça va. Niveau vie, ça descend. Ça me rassure un peu, mais bon. Mais bon, regarde ma vie. Oh putain, il y a le colosse. Mais qu'est-ce que je fais? Non, 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 faut pas que je descende par contre. Oh, un petit coup de spartiate par contre. Ouais, mais je peux pas me permettre ça. Quoique. Taïo! Putain, ça l'envole pas du tout, je vais mourir. C'est que c'est quoi ce mec là? Ouah, ouah, ouah. Non, mais c'est n'importe quoi, vous avez vu, ça explose de partout. Je n'ai plus de vie, je vais mourir. C'est complètement abusé, hein, ces colosses, hein, vraiment. Encore quand il n'y a pas beaucoup d'ennemis, ok, tu vois, je peux me les faire et ça reste compliqué. Mais là, quand tu fais un fort et qu'ils sont je sais pas combien de colosses à tes trousses, et comment veux-tu t'en sortir? Je suis sérieux, hein, mais... C'est ultra complexe. Qu'est-ce qu'il fout là? On est marre, sérieux. Là, il faut que j'essaye de tuer, mais j'ai même plus de vie, donc je sais pas comment je vais les tuer, mais il faut que je tue des ennemis fragiles pour ainsi récupérer de l'aptitude. Et pouvoir enchaîner. Oh putain! Oh la blague! Oh non 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 non, on va pas sortir. Mais il y a un autre colosse ici! Mais c'est infini, mais je pourrais jamais m'en sortir. Oh c'est quoi cette blague, sérieux? Mais c'est quoi cet endroit? C'est démoniaque! Il y a des colosses de partout. Lui, il faut vite que je l'élimine. Regarde qui arrive quoi, j'ai pas une fenêtre d'action là. Là il y a au moins 3 colosses minimum hein. Donc je sais vraiment pas comment je vais me débrouiller. Hop. Ça je sais pas. Ah si ok c'est des kamikazes. Mais il y a de tout. Mais je comprends plus. Il y a... Oh
Oh là là, mais regarde ça, s'abuser. Je peux pas. Je ne peux pas. À cause des cloches, je peux pas me fight au corps à corps parce qu'ils vont me bouiner. Je peux pas fight les ennemis normaux au corps à corps juste à cause d'eux. Ça, c'est vraiment cancer. Vas-y, mais laisse tomber, hein. Et je peux pas fuir non plus vu qu'ils sont en train de me traquer en téléportation là. Mais regarde-moi ça! J'en ai marre! Saleté de colosse là. Vas-y, mets ton truc là encore pour faire chier. Si à l'usure je les ai comme ça, et bah putain, chapeau l'artiste, hein. Mais même moi j'ai du mal à y croire. Ils sont au moins 3 ou 4 là, donc là tu vois je suis en train d'en diminuer un niveau vie et les autres dans lui il y a moins de tuer quoi. Non, je pensais pas être dans la zone. Ok, c'est pas une bonne idée les colosses, hein. C'était pas un bon ajout, moi je vous le dis, c'était pas un bon ajout, hein, de votre part, hein, les développeurs. Ah, et lui c'est pas celui que j'avais affaibli, c'est encore un autre. On va les distinguer, hein, les colosses maintenant. Hein. On va faire... Mais putain, les civils ils se passent devant là, waouh. Bon. Ah, mais et lui, regarde, on l'a retrouvé. Enfin, elle. Elle a récupéré sa vie. Mamma mia, mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais c'est sans fin. De toute façon, tant que j'aurais pas tué les colosses, je pourrais pas m'y attaquer. Hein. Mais elle a récupéré de la vie, c'est encore pire que tout. Attends, on bouge chemin, ce fight est sans fin. Mais qu'est-ce que ce serait satisfaisant si j'y arrivais quand même à m'en sortir. Mais c'est sans fin, hein. Quoi? Ils te mettent des long shots. Je comprends même pas, je comprends pas. Souvent que les colosses, ils récupèrent pas leur vie, hein. Même si l'autre, je sais même pas comment il a récupéré sa vie, là, le dirigeant. Enfin, la dirigeante. Hop, bon. Vas-y, on va retourner là où on était. Toi, j'ai quand même bien envie de te jeter dans le vide, hein. Je vais pas te le cacher. Genre là. Oh oui. Oh non. Oh oui. Oh si, attends. Taïo. On le finit. Mais je vais jamais pouvoir le finir. Mais c'est pas toi que je voulais. Oh, je suis gangbang. Vite. Mais vite. Il me bloque. Putain, je suis gangbang. Pas... J'ai pris du risque. Tout ça. Non, pas tout ça pour rien. Mais monte. Oui. J'ai encore envie. Je suis encore en vie. Et j'ai tué le dirigeant en plus. Oh, lui, il a plus de vie. Nice. Ok, on commence à je pense, à sortir du tunnel là. Du tunnel sans fin, mais. On y sort là. Alors, toi. Lui c'est bon, fini. Je n'en puis plus. Je n'en puis plus. C'est trop là. Quand c'est trop, c'est trop. Bon, je pense que j'ai récupéré l'équipement de celui-ci. Il reste des... Je pense qu'il reste des collages. J'en ai tué que deux là. Il y en avait plus. Il y en avait plus que ça. Il y en a qui sont restés. Du coup, il me reste deux trésors. Ouais, ok. Ok, ok. On fait un peu l'état des lieux, tu vois. Pas de colosse ici par contre, non. Je dirais pas. Ça c'est que des ennemis basiques. Qu'est-ce que je suis heureux de vous croiser les ennemis basiques, hein. Mais quel plaisir de vous croiser. C'est bizarre là, il manque au moins un colosse dans l'histoire, hein. Je sais pas où il est, mais il manque un truc, hein. Bon, je vais récupérer le coffre pour moi des richesses élyséennes. Voilà. Vas-y, on va commencer à les faire du coup, hein. On va commencer à les faire. Ils sont les trucs qui me que j'ai pas encore fait là aussi. Ça, bon, ça a peut-être rayé le colosse, tant pis. Je suis un peu loin là, je crois, non? Ouais. Voilà. Et finalement, Perséphone n'a plus beaucoup de contrôle, hein. Interesting. C'est quoi ce bruit par contre ici là? Ah ok, j'avais pas vu, je suis en train de l'escalader, très bien, oui, je vois. Et 2, 3,
Du coup, ok, il y a la provision, je la vois là. Il y a le coffre aussi. Il manque un tchak en plus, je crois, c'est ça. Hein. Je crois qu'on est bon, du coup. Je crois qu'on est sacrément bon. Toi, hop, on te prend comme ça. Oh, bah toi dans le vide, hein, clairement. Ah, j'ai plus d'aptitude, dommage. Pas nécessaire au pire. Aïe! Monsieur, 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 monsieur. Aïe! Non, 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 aïe. Non. Hop là, ok. Donc, un, ouais, un de chaque, c'est ça. C'est bel et bien ça. Alors, la provision, elle se trouve. Bah, elle se trouve dans le bâtiment, comment y rentre? C'est par où l'entrée, s'il vous plaît? Ah, ok, c'est juste une cour en fait. Très bien. Mais, tire! Merci. Ouais, par contre, comment je fais pour... Ah, mais il y a l'entrée ici. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Putain, on va enfin finir cette zone. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai réussi à survivre à cela. Par contre, il y a vraiment un colosse qui a des pop. Hein. Parce qu'il y en avait beaucoup plus que ça, je crois. Hein. Ah là, et du coup, il reste plus que ça. Oh, quel plaisir. Attends, j'ai pas l'angle là. On va se mettre en face. Quelle bonne chose de faite, hein. Oi, oi, oi. Voilà. Le domaine. Putain, j'ai jamais galéré autant sur un domaine. En même temps, j'ai jamais vu un domaine si fourni aussi. C'était n'importe quoi. Niveau 65. Yes. Ça me fait encore un point d'aptitude supplémentaire. On va terminer quand même avec, du coup, la statue qui est ici. Parce que bon, c'est à côté. Du coup, bah, dans le prochain épisode, il restera le gros îlot à faire, là. J'espère qu'il n'y a pas tant que ça de choses non plus, hein. Sinon, je suis pas au bout de mes peines, moi. Hein. Ouf, 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 ouf. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va. Ouais, plutôt bien, après ce qui s'est passé. Hein. La relative. Putain, il s'est réveillé. Ah, la pute. Ah, la pute. L'autre s'est pas réveillé, on est d'accord? Non, c'est bon. Ouais, mais il pourrait se réveiller si on se rapproche de lui, donc faut pas que je me rapproche. Oh, l'esquive. Oh, elle était belle. Elle était belle, celle-là. Ah, excusez-moi pour ces cris ultra virils, mais bon, quand il faut crier, quoi. Hein. Il y a des priorités dans la vie. Oh là 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 là. Oh non, il m'absorbe, là, tu vois. Il est en train de me cancériser. C'est absolument... Je crois des fois sur For Honor, quoi. Sur des persos cancer. Parce que là, c'est des colosses cancer. Là, tu viens pas me faire chier, hein. C'est bon. Un seul me suffit amplement. Hop. Et toi, la statue te détruit. Je sais pas à combien de TMC dans cette vidéo, mais il y en aura eu beaucoup trop. Ça aurait été un long épisode aujourd'hui, hein. 40 minutes quasiment. Mais au moins on aura bien avancé et on aura fait un combat d'anthologie qui aura duré des années, quoi. Ok, bon, du coup normalement il restera plus que les trucs sur l'îlot là. Ouais, c'est ça, hein. Ah bah déjà ça en fait un en moins, vu que ça c'est une ville, ok, il restera deux trucs ici. Ça doit pas être des gros trucs, je pense, hein. Ça doit juste être une cité, mais il doit pas y avoir de trucs militaires, donc de forts ou de trucs dans le genre, je pense. Donc ce sera plutôt tranquille, je pense. J'espère en tout cas. Donc voilà, prochain épisode on fera ça et après on partira du coup vers la nouvelle zone, surtout vers la quête, quoi. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense et on se retrouve du coup très très vite pour la suite. Allez, bye tout le monde. Ouh yeah.